Ombre, marais, ténèbres et vins, une brume s'élève pour brouiller mon esprit, pour cacher le trésor que je cherche. Ô orbe ancien, où te trouves-tu désormais? Madame, j'ai répondu à votre appel. Je suis prêt à... Oui, je le vois. Un lieu plein de pièges pour briser les os des braves. Là se trouve l'orbe, loin, loin d'ici. Un ancien donjon dans lequel se trouve l'orbe. C'est une puissante magie qui peut montrer une carte. Et qu'allez-vous me donner pour aller chercher l'orbe? Il y a là assez d'or et de gemmes pour n'importe qui. Prends ce que tu veux, mais ramène-moi l'orbe. Payez-moi maintenant ou je n'y vais pas. J'ai besoin de chevaux, de vivres... Assez, que le voyage commence. Attendez! Non! Attendez! Vive ou meurs, aventurier, mais ramène-moi l'orbe. Sans dode, mes entrailles en sont toutes retournées. Voyons ce qui m'attend. Fais de ton mieux, donjon, je suis prêt. Ainsi commença l'aventure de Dungeon Hack. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue dans un nouveau rétro sur Dungeon Hack. Et comme son nom l'indique, non, ce n'est pas un hack d'un jeu, c'est vraiment le vrai nom du jeu. Mais devinez par qui il a été fait. Et ouais, Forgotten Realms, ma gueule. Forgotten Realms, c'est le meilleur jeu de rôle du monde. C'est Neverwinter Night. Et ouais. Alors, c'est marqué officiel, mais c'est un jeu de Dragon Ball Super Edition Computer Game. Donc là, je vous ai montré l'intro. Je connais rien du jeu. Je sais qu'il est sorti en 1993 sur MS-DOS. Donc là, actuellement, j'ai la version... je trouve la version .9. Voilà. Qui a été développé par SSI et édité par Dreamforge Entertainment. Voyons. On va créer un personnage. Oh, bon dieu de nom. Oh, putain. Alors, voyons voir. Donc, le sexe, on va prendre masculin. On va prendre féminin. Non, on va prendre masculin. Race, je vais prendre un... Pas un gnome. Ouais, évidemment, ça joue sur les caractéristiques. Je m'en serais douté. Waouh, je vais faire plus et moins. Voyons, humain, bon voilà. Point de vie inconnu, évidemment, ça se joue à plein de choses. Demi-elfe, non. Si je prends un alphelin. Ah, je prends alphelin. Bon, alors, alignement loyal, neutre chaotique, bon, neutre mauvais. Je vais prendre neutre. Neutre bon, voilà. Et on va faire un guerrier. Voilà. Ou un... Non, on va faire un guerrier pour cette partie. Donc là, j'ai 18 points de vie. Je suis niveau 3. Voilà. On va faire une partie au pif. Et alors, quelle tête allons-nous choisir? On va prendre celui-là. Oh, il est beau. Et donc, on va s'appeler. Évidemment, hein. Voilà. Je ne connais rien du jeu. J'espère qu'il ne sera pas trop dur. C'est parti pour le donjon. Custom. Oh, je peux customiser la défi. Ok, alors,
Pour cette partie, on va faire une profondeur de donjon de 10. Une quantité de monstres. Allez, on va mettre à 3. Quantité de trésors, on va pas jouer dessus. On va. Voici, on va jouer dessus. Quantité de nourriture, on va jouer dessus. Des murs illusoires. Ah, c'est les murs pièges. Ok, donc ça, c'est mort. Fréquence de clé, voilà. Remarquer, restaurer. Je peux pas sortir vite fait pour. Non. Racine du donjon aléatoire. Oh, c'est cool ça. Oh, on peut rentrer des codes pour les donjons. Ouais. Bon, je vais marquer de la merde. Je peux me casser de là. Non, bon. On va prendre facile. Voilà. Donc, play. Et on est go. Génération du donjon. Allons-y. Voilà. Alors. Ok. Comment j'attaque, bordel? Ok, bon, alors, ouais, on voit PV, nourriture, des objets. Alors, c'est une ration, ça sert à rien, et ça, c'est une fronde. Je porte une armure avec une épée, génération dans mon autre main, et voilà. Et là, j'ai des roches. Ok, donc, sur mon autre main, je vais mettre ceci. Vous ne pouvez pas mettre ça. Ok, je vais mettre ça. La fronde, ok. Je vois le genre, donc, du coup, ouais. Donc allons-y, avançons. Oh, c'est beau. Alors, ok, première. Ok, très bien. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle-t-il? Une énigme. Je me demande à quoi sert la fente. Il faudrait sans doute mettre un objet. Oh la fronde, fronde, fronde. Fronde, bordel. Putain, à côté, t'es chiant. Ok, on y va à l'épée. On y va à l'épée parce que... Ok. Ah, et il y a la... Merde, non, c'est là. Ah, je vois le plan juste ici. Je découvre des choses, alors en fait. Raté. Ah, il y a un temps de recovery. Ah, oh. Okay. Ah, c'est une statue. C'est une statue. Je n'arriverai jamais par là. Il faut que je trouve un autre chemin. D'accord. Ok. Moi qui l'avais pris pour un monstre. Oh putain. En même temps, ce monstre aurait dû bouger. Étoile d'araignée, on doit s'attendre à trouver un donjon. Non, on s'attend à trouver dans un donjon comme celui-là. Donc je vais remettre ça là. Ah mais j'ai que trois cailloux. Putain, ça va être chiant. Une porte. Effectivement, c'est un donjon assez vaste. Qu'est-ce que c'est? Une clé cramoisie. What? Qu'est-ce... Oula. Au bordel. Oh, Taras. Merde. Merde. Oh. Zut, 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 dégage. Attaque. Voilà, parfait. Récupère ton caillou. On sait bien, les frondes sont illimitées. Putain, je l'avais vu venir. Oh, ouais, il m'a fait peur. Wait. Attendez, je peux appuyer dessus. Ouais. Je me repère. La clé cramoisie. Ok. Alors, si je mets la clé rouge dans la fente rouge... D'accord, j'ai ouvert la porte. Ouh, une épée longue. Et ça, c'est quoi que j'ai? J'ai deux épées longues. Est-ce que je peux l'équiper dans l'autre main? Ah. Non, je ne peux pas le mettre là. Très bien. On va continuer. Oui, ça c'est calme. Il y a un peu de réflexion. Bah, j'aime bien. Ah, oula. Oula. Ah non, ouf, putain, j'ai cru qu'il y avait un monstre. Une porte et un mur. Ok, je me suis pris un dégât. Bon, pour l'instant, je faisais faible en PV. Et je... Oui, oh, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, ramène-toi. Ramène-toi. Vas-y. Raté, bordel. Ouais, oh, il a laissé un drop. Non, What? Ah non, d'accord. Qu'est-ce que... Une amulette, voyons. Voilà. Je prends mes rations. Cet objet ne se dispose. Je dois l'utiliser. Ouais. Ration prise, d'accord. Ouais, mais j'aimerais récupérer mes points de vie. Camper. Ah, voilà. Ok, je vois. Donc repos. Oui.
10 heures de repos. 30, ouah, 30 heures de repos niveau actuel. 1 sur 10. Racine du donjon. Oh, c'est bien ça. C'est génial, je trouve. Ok. Bah, quand? Voilà. Ouais, ah, c'est génial. Oh, puis mes PV sont full. J'ai envie de dire, bah, trop bien. Voyons, je suis dans une pièce carrée. Très bien. Wow. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oui, je vois. Donc là. Nope. Oula, j'ai fait un tour de trop. Très bien. Vous entendez bien les clics de ma souris? J'espère que c'est pas trop. Vas-y, ramène-toi. Ramène. Putain. Oh putain, je pouvais l'avoir de dos. Aïe. Raté. Oula, raté. Hop, esquive le temps. Oh putain, il m'a eu à 8. Raté? Non! Oh putain. Waouh, chaud. Là, il y a la statue. Ah non, c'est. Il y a une porte juste ici, je vais y aller. Wait, qu'est-ce qui se trame de. Oh bordel. T'as pu. Ouais. Je vais crever, je pense. Ok. Allez, vas-y. Est-ce que je suis un fou? Est-ce que je vais dormir à côté du rat? Eh bah ouais. 20, 30, 40, 50. Putain, le nombre d'heures. Je vais me nourrir un coup quand même. Tac. Quand? On va utiliser mes rations. Voilà. En fait, je pense que j'ai ration illimitée. Ration prise. C'est cool, mais en fait, j'ai pas l'impression que je gagne de la vie. Ouais, si je vais là. Bon, il y a un ennemi, je le sens et je l'entends. Un mur. Raté. J'aurais dû m'en douter. Bon, c'était donc un mur vide. Non. Oh, ça m'énerve. Essayez au moins de finir le premier étage. Il fait trop sombre. Oh putain, ça sent le piège. Je sais pas, je sentais le piège. Deux portes. Tout. Bah évidemment. Ah bah oui, deux. Raté. Deux de dégâts. Bah oui. Et j'ai un commentaire si je clique dessus. Non, j'ai un. What? 5. Ouais, t'es sérieux? Ok. Oh bordel. Oh. Non, c'est bon. Ok, j'ai trouvé une autre fronde. C'est génial. Voyons, là, y a rien d'autre. Merde, c'est vrai qu'il y a une porte. Je suis con. Je dirais que c'est plutôt un système élaboré pour un donjon. Donc là, il y a une impasse. Ok, là il y a un mob. Vas-y, ramène-toi. Voilà, dégage. Parchemin de protection contre la magie prise. Ouh, intéressant. Je vais me foutre dans un coin et je vais me reposer. Je prends une ration. Suis pas sûr que les rations servent là, en fait. Ouais, bon, pas. Oula. Dégage. Bon, j'ai encore plus de la moitié de mes points de vie, je peux continuer. Là, y a un rat. Oula. Ok. Cette tapisserie décrit un vaillant guerrier devant son ennemi vaincu. J'espère que la victoire m'attend aussi. Ouais, non. Ça veut dire qu'il va se passer un truc. J'en entends un, je le vois. Merde, raté. Putain, deux. Raté encore. Non, mais. Non, oh. 4. Ah, ça fait mal. Non, mais. Comment je peux là? Encore? Oh.
Les lancers de dés, j'ai l'impression qu'ils sont pas avec moi. Merci. Bah, je vais me foutre là. Je vais mettre mon camp. Repos. Non. Bah, j'ai pas le choix. Bon. Allez, on y go. Donc, évidemment, on peut prendre le temps de copier le code. Ah putain, niveau nourriture, par contre, je vais être assez là. Alors, je vais pas être bon. Ouais, les rations, en fait, ça sert tellement à rien. Putain, mec, si brouille, je suis au taquet. Mais ah, et puis ma souris qui fait n'importe quoi. Ok, donc là. Ok, bah évidemment. Il y en avait un, je le laisse s'approcher. Raté, bah bien. Encore. Voilà. Ouais, il y a un peu de technique. Après, je sais pas. Il faudrait que je vérifie le menu avant la fin de cette. Une seconde. Ce mur est. Qu'est-ce que. Ouais, ce mur est un peu vert. Ben, bien sûr. Oui, mais cogne-toi, c'est bien. Tu rends service à. Tu rends service. T'es gris, je n'arriverai jamais par là. Ouais. Putain, ouais. Un vrai donjon. Et tac. Attention. Et tac. Ouch. Un ancien soi était gravé sur un mur. Je me demande ce qu'il suffit. Je ne sais pas. Et ne pose pas de questions débiles. Bon, une porte. C'est bon, je l'ai. Bah, évidemment. Allez, celui-là, normalement, il est plus faible. Je devrais pouvoir le. Voilà, le one shot. Et il y a un mur. Bon, on recule. Attention, messieurs, dames. Il y a une porte. Ah, je vois mes ennemis sur la carte. C'est la grille, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc je vais continuer par là. Étoile d'araignée. Des. Je sais pas. Ok, un rat, droite, gauche, milieu. Je rêve où ce rat vient de m'attaquer. Je rêve où ce. Voilà, ce salon vient de m'attaquer. Une porte. Ah, quelque chose. Une pièce d'argent. Oh, une pièce d'argent. Oh, une seconde. Ah, faudrait que je revienne tout au début. Ouais, faudrait que je revienne tout au début en fait, parce que je sais où va cette pièce d'argent. Ah, il y a aussi des petites énigmes. Tu ne m'as pas vu, t'es mort. Tu croyais m'avoir? Putain, ils sont deux, je suis dans la merde. Ah, je suis tellement dans la merde si je rate mes jets. Ok. Ok. Je peux l'avoir par surprise. Si je. Ok. Ok. Il est là, juste derrière. Blah, motherfucker! Raté. Très bien. Je vous cacherai pas que je suis en train un peu de me perdre. Donc, j'ai pas fait de carte. Oh putain. Excuse-moi, je remets juste là et je t'attends. Oui, je t'attends. Oh putain, 8. Équipe-toi de l'anneau! Équipe-toi. Voilà, merci. Un os de saphir. Ouais. What de Dieu. Une pièce d'or. Et ça doit être une fronde. Zbla. Un feuillet de parchemin. Est-ce que je peux. Attendez. Est-ce que je peux. Attendez. Quand. Mémoriser des sorts. Vous ne pouvez pas mettre là. D'accord. On ne peut mémoriser de sorts. Montre. Montrer le tableau d'honneur. Et moi je suis là. Ok. Je vois le total des créatures. On sort. Ok, bah bien. Montrer les nombres. Montrer les. Ah ouais, montrer les nombres, je préfère. Couper le son, charger, sauvegarder, sortir du jeu. Là, lever le camp. Ok, est-ce que je peux mais juste apprendre le sort? Je vais me faire foutre. Très bien. Ça c'est cool quand il n'y a pas les barres, c'est largement mieux. Ok. Il y a des barres. Très bien. Alors ça faudrait que je retourne, mais vraiment tout au début. Bon, mettre la pièce dans la fente. Gauche. Là, je vais sans doute mourir au prochain combat. Je ne vous le cache pas. Raté. Oh putain, l'esquive.
Esquive. Merde, je suis mort. Ah, zut. Ah, damn. Ah, je suis déçu. Ah, merde. Bon, bah voilà. Bon, bah c'était certes pas passionnant, mais j'ai bien aimé le jeu. Je le conseille vraiment aux fans hardcore de jeux de rôle, mais il est sympathique. Je vous conseille d'y jouer, voilà. Bah, cela conclut cette vidéo sur cette vidéo rétro sur Dungeon Hack. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez évidemment le télécharger sur le site de RumStation, le lien est dans la description. RumStation toujours gratuit. Je vous invite également à regarder les autres vidéos si c'est la première que vous voyez. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Twitter en Basorius 1, de laisser un commentaire si vous avez des jeux de rétro à me proposer. De liker la vidéo aussi. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.